tu es venu à Beyrouth pour la Fashion Week. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire un défilé ici? Est-ce que c'est le pays arabe là où tu défiles? Je suis très heureuse d'être l'invitée d'honneur de cette saison de la Fashion Week de Beyrouth. Et je remercie infiniment toute l'équipe, Johnny, Samantha, Zeyna, Maria et toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui ont organisé cet événement dans le but de valoriser le travail des jeunes créateurs. Je suis fière de représenter le savoir-faire français et très heureuse que les Libanais puissent l'apprécier. Et est-ce que c'est le seul pays arabe là où tu as défilé ou... C'est le premier pays arabe où j'ai défilé et je suis très heureuse que ce soit le Liban parce que le Liban pour moi est devenu la nouvelle destination artistique. C'est la jonction entre le monde occidental et le monde oriental et j'ai le style justement qui représente cette double culture. Tu t'attends à quoi de ce défilé, de cette Fashion Week pour ton nom, pour ta nouvelle collection? Ma collection est une célébration de la féminité sous toutes ses formes. Et les femmes arabes en font partie, elles ont leur propre expression de la féminité. C'est un style auquel elles peuvent s'identifier parce que c'est à la fois élégant, sophistiqué, mais minimaliste, parce qu'il y a à la fois du prêt-à-porter, mais aussi de la haute couture. Qu'est-ce que tu peux dire à la femme libanaise? Un dernier mot. Ce que j'aime chez la femme libanaise, c'est qu'elle est vraiment unique. Elle recherche à avoir un style qui est très personnel, très individuel. Et elle veut en même temps être originale, mais elle a compris que la mode, c'est avant tout une question d'individualité. C'est ce que j'aime chez elle.